S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un aurait une seule chose d'intelligente à dire dans ce cours? Mesdames, j'ai de la corne aux couilles. Hey, comment ça puis-je faire? C'est SNS, on se retrouve pour le MVDC, ne pas rire. Faites pas attention. Je suis en train de manger McDo, j'ai pas eu le temps ce midi de me faire manger. Non, je rigole, je suis tout simplement en train de faire mon défi. Défi de Isra Place vidéo Roblox. Défi de manger McDonald's au début et à la fin de la vidéo. Alors, je mange McDo. Et aujourd'hui, ce sera une spéciale Romain Franklin. Vous avez été beaucoup, beaucoup à me demander. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer des youtubeurs ou des tiktokers que vous connaissez. Trop bon le filet au fish. Avec sauce de luxe et potatoes. Par contre, je suis dégoûté. Regardez ce que c'est en ce moment. Des potatoes chelous toutes fines, là. Vous voyez? Fait des zooms de la potatoes. Ça, c'est bon, mais ça vaut pas les potatoes. En plus, il saoule, t'as pas le choix. Alors, pour voir plus mes sphères, le but est très simple. Il suffit d'ouvrir la vidéo avec de l'eau dans la bouche. Et de ne pas rigoler, sinon j'ai un défi à faire pour la prochaine vidéo. Et vous aussi, pouvez jouer avec moi en faisant pareil, en me disant dans les commentaires comment me faire rigoler. Je suis sûr que vous avez envie de manger McDo maintenant. Allez, c'est parti, mes sphères. Bon, la pire classe des premiers youtubeurs, le cours peut commencer. Avec vous, c'est le bordel à chaque fois. Alors j'espère qu'aujourd'hui, vous allez rester calme. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Merci Antoine. Au lieu de faire le malin, vous aviez un rapport de stage à rendre pour aujourd'hui. Alors sortez votre ordinateur et montrez-le nous. Suce-moi! Très mature. JDG, vous serez le second à passer. Juste... ferme ta gueule. Pourquoi vous me parlez mal comme ça? Parce que t'es con, voilà pourquoi. Super. Et vous, monsieur le délégué, vous avez rien à dire? Oh oui, oh, pff, clair, oh. Eh ben sachez que peu importe ce que vous direz, je sais que je suis un excellent professeur. Oh! Fermez-la, Norman, on vous a pas sonné. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de positif à dire sur mon cours? Yes! Je vous écoute. On s'en fout! Vous êtes à deux doigts de me faire pleurer. T'es dépressif ou quoi, là? Attention, Evic, ou je vous colle 8 heures d'affilée. Ça fait beaucoup, là, non? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un aurait une seule chose d'intelligente à dire dans ce cours? Mesdames, j'ai de la corne aux couilles. Oh, wow! C'est quoi cette phrase? Oh, moi, je peux pas continuer si ça continue comme ça. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un aurait une seule chose d'intelligente à dire dans ce cours? Mesdames, j'ai de la corne aux couilles. Bon, la pire classe de footballeur, le cours peut commencer. Je vais faire l'appel et vous répondez juste présent. Cristiano Ronaldo. Si! Venant de vous, je prends ça pour un présent. Kylian Mbappé. On est là. Tant bien que vous soyez là, votre moyenne est catastrophique. Qu'est-ce que vous faites chez vous à part ne pas réviser? Dormir et jouer à FIFA. Super, merci Kylian. Kevin, rassurez-moi, vous révisez vous? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Au moins, ça a le mérite d'être franc. Payette, vous qui êtes le premier de la classe, rassurez-moi, vous êtes prêt à travailler? Bien évidemment, je suis prêt à chier. Non mais c'est quoi cette classe de taré encore? C'est la catastrophe, Ada. Karim, ne la ramenez pas. La mec, t'es fou dans ton crâne, toi. Ne me parlez pas comme ça, parce que ça va très mal aller. J'espère que la retourne va lui tourner pour lui. Exactement. Attendez, quoi? Oh mon dieu! Oh wow. J'espère que la roue tourne va vite tourner. En fait, ce qui est marrant, c'est que il lui dit exactement, genre il est d'accord avec lui, et puis juste après il fait: attends, quoi? Oh waouh, eh, ces deux passages ils étaient trop chauds. Non mais là, c'est sûr, mes sphères, que vous avez rigolé. Dites-le moi en commentaire. J'espère que la retourne va lui tourner pour lui. Exactement. Attendez, quoi? Je vous rappelle que je suis votre professeur. Vous me prenez pour qui? Un loser, lui. Vous avez de la chance d'avoir ramené une coupe du monde. Je vais coller Franck Ribéry à la place. Je comprends toujours pas comment ça se fait que je l'ai toujours dans le cul. Bon, la pire classe de streamer, le cours peut commencer. La dernière fois, c'était le bazar. Alors aujourd'hui, vous avez intérêt à être respectueux. Oh, wow, wow. Prenez ce bolard dans le visage. Je rêve ou vous venez de me cracher dessus? Je vois que ça fait marrer vos petits camarades. Très bien, je vais vous couper l'envie de rigoler. Tout le monde sort une feuille, interrogation surprise. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Tardos, calmez-vous. Si vous êtes pas content, c'est la porte. Quelqu'un d'autre a un truc à dire? Fils de pute. Allez vous faire foutre, putain. Et ben vous savez quoi? Vous avez gagné. J'abandonne le cours et je me tire. Désolé, je te demande pardon. Envers tous ces clochards, je te demande pardon. C'est vrai, TK, vous le pensez vraiment?
Tout le monde se fout de ma gueule. Voilà, c'est une hagra. C'est une hagra de ouf. S'il y en a encore un seul qui parle, vous êtes tous renvoyés du lycée. Ça veut pas dire que vous avez le droit de chanter. Bon, les héros d'animé, le cours peut commencer. Donc aujourd'hui, on va reprendre la leçon de la semaine dernière. Je peux savoir pourquoi vous êtes en retard tous les deux? Désolé, j'en ai vraiment aucune idée. J'ai tailladé ma mère au visage, j'ai planté un couteau dans le ventre de mon frère et je me suis tiré. Non mais asseyez-vous, voilà vous, vous vous en sortez bien pour cette fois. Je vois que tout le monde a rendu son devoir maison sauf Naruto. Naruto, pourquoi vous travaillez jamais? Je suis un super ninja et je compte bien devenir un grand Hokage un jour. Juste un petit conseil, vu vos pouvoirs, vous devriez travailler à l'école. Ok, je retire ce que j'ai dit. Attention, hein, croyez pas que j'aime les femmes avec des fesses Eh ben, je dirais que j'aime les filles plutôt grandes avec de bonnes grosses fesses. Ça, ça me plaît bien. My best friend. Bon, eh ben, puisque personne veut travailler, interrogation surprise pour tout le monde. Espèce de sale enfoiré. Tu te fous de nous ou quoi? Ça va, Eren, calmez-vous, hein. Tu vas vraiment avoir mal de chez mal. Oui, bah merci beaucoup, j'avais compris. Bon, la pire classe de super-héros, le cours peut commencer. La dernière fois, vous avez mis le bazar. Alors aujourd'hui, je vais être très sévère. Je m'appelle Tony Stark et je n'ai pas peur de vous. Moi non plus, monsieur Stark. En plus, j'ai un nouveau super délégué pour m'aider. Dites-leur. Je s'appelle Groot. Ouais, il s'appelle Groot. Je suis Batman. Je s'appelle Groot. Je suis Batman. Tous les deux, arrêtez de bavarder. Donc, je fais l'appel et vous répondez juste présent. Wolverine, Wolverine, répondez-moi ou je vous envoie mon délégué. Allez vous faire enculer tous les deux. D'accord. Ah, je vois qu'on a un nouveau. Je me présente, Docteur Strange. Asseyez-vous et pas de pouvoir en classe, merci. Même si franchement, j'ai l'impression qu'ils servent à rien vos pouvoirs. Boum. Très mature. Spider-Man. Je vous l'ai déjà dit, si vous voulez aller aux toilettes, vous levez la main. J'en peux plus de cette classe. Je sais que vous n'êtes qu'un lâche. Calmez vos paroles, Tony, parce que vous êtes un élève et je suis le professeur. Et moi, je suis Iron Man. Non, Tony, je suis désolé, Tony. Le cours peut commencer. Je vois qu'Elsa Bois est pas là aujourd'hui, tant mieux. Elle est tarée, cette élève. Bravo Elsa, vous êtes en retard pour la troisième fois de la semaine. Ah putain. Eh ben vous avez gagné une heure de colle. T'es un chien. Osez répéter ça et ça va mal aller pour vous. Un chien, sale chien. Très bien Elsa, vous êtes renvoyée. Vous avez autre chose à dire? Mais pourquoi vous êtes méchante comme ça? Je suis un bon prof pourtant. Non, vraiment pas. Mais pourtant j'ai toujours cru que j'étais un prof horrible. Horrible, c'est-à-dire? Je veux dire, vous voulez dire physiquement? Oh le déchet. Eh ben vous savez quoi? Pour la peine, je vais appeler vos parents. Je vais te fumer, t'es mal. Alors là, ça me fait bien rire, comme si vous alliez me frapper. Non, mais sérieusement, elle. Non, sérieux, vous êtes sérieux là? Vous voulez que je bouffe des croquettes, les gars? Moi, les gars, je fais un défi sportif sur 30 jours et quand je fais une erreur, vous pouvez me donner un gage. Moi, je pensais que vous allez me dire, bah vas-y, Romain, va faire 100 pompes, va courir 10 km. Vous m'avez demandé de manger des croquettes pour chat. Vous savez quoi? Je vais le faire parce que j'ai qu'une seule parole et je vais le faire. Par contre, vous ne likez pas cette vidéo, vous ne la partagez pas, vous ne la commentez pas. Sérieux, non! Je vais finir dans les plus grands mal STV là. Moi, c'est du sport que je veux faire. Là, il y a ma mère sur TikTok, les gars. Elle va tomber sur cette vidéo, elle va se dire, mais comment j'ai éduqué mon fils en ça? Et je l'ai fait tomber une ou deux fois, mais sinon ça passe. Là, il y a le bol. Je vous aime, hein. Mais vous m'énervez. Ah, ça me dégoûte. Voilà, croquettes pour chat, c'est... Ah, je peux pas faire ça, je vous jure, je peux pas faire ça. Putain, la prochaine fois, donnez-moi un défi sportif, s'il vous plaît. Ah, vous avez pas... La vie de moi, c'est des vrais, vous avez pas l'odeur. Putain. Je peux pas. Ah, je vais vomir. Ah, dégage-moi ça. Ça m'a fait chialer, putain. Oh. C'était horrible, voilà, c'était horrible. Voilà, je vais finir dans les mal STV avec vos conneries. S'il vous plaît, moi, c'est du sport que j'ai envie de faire. Et de l'humour, et des blagues. Mais mettez-moi un gars sportif. J'ai une chose à dire en fin de vidéo. Votre gage, il est très mature. Mi-temps, mes sphères. Eh ben, franchement, ça a été très très chaud. J'ai déjà rigolé deux fois. Franchement, il y a un passage qui m'a fait péter de rire. C'est avec les dessins animés. L'autre qui dit j'ai tailladé ma mère. J'ai mis un couteau dans mon frère. Et je me suis barré. Genre en mode normal. Franchement, c'était trop drôle. J'ai failli rigoler en plus d'ailleurs, ce passage. Et vous, quel passage vous a fait rire, mes sphères? Dites-le-moi en commentaire. Bon, les jeunes, le cours peut commencer. Ziak est pas là aujourd'hui, c'est normal, je l'ai viré. Il m'a déjà cassé trois portes cette semaine.
bastard dans la porte, je n'ai pas le code. Mais y a pas de code, c'est une poignée. Et je vous ai viré. Comment vous avez fait pour esquiver les surveillants? J'ai les moves de la CLSA. Asseyez-vous et sortez vos affaires. Ça c'est des vrais couteaux. C'est bon, je la connais. On n'a pas que des couteaux, you know. Je sais, vous m'avez déjà braqué avec un sniper et un pistolet. J'ai plus peur de vous, mon petit Ziak. Tu vas manger le sol. Permettez-moi de débarquer avec mon boulgour. Antoine, arrêtez de venir en cours seulement quand il y a des embrouilles. Ziak, vous êtes encore énervé à cause de vos copains? Pour les copains au cachot, you know. Pourquoi vous vous levez? Ziak, ce que je voulais. Non, Ziak, lâchez-moi, reposez-moi par terre. Attendez, vous allez pas me jeter par la fenêtre. Tu voulais pas que ça dérape, fallait partir plus tôt. Bon, la pire classe de TikToker, le cours peut commencer. Avec vous, c'est toujours le bazar. Alors j'espère qu'aujourd'hui, vous avez envie de travailler. Plus tard, je veux devenir chômeur. Rassurez-vous, Badzir, vous êtes sur la bonne voie. Léane, vous avez travaillé, vous? Frère, non mais, déjà, détends-toi. Arrêtez de m'appeler frère ou je vous mets une heure de colle. T'as dit quoi? Bah j'ai dit que... T'as dit quoi? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quand vous êtes énervé, vous allez me frapper. C'est totalement ça en plus. Ok Maël, je vous fais confiance. Léane, je retire votre heure de colle. Sérieusement, y'a pas un élève qui veut travailler? Y'a un pas, oui. Je t'ai dit y'a un pas, y'a un pas. Ok, très bien. Et ben vous savez quoi? Je vais convoquer tous vos parents. Je m'invite ta mère! Viens là, putain! Non, non, Jason, ne me frappez pas, ne me frappez pas! Toi, ton engin du bas ne prend pas cette place. Merci au fait pour cette intervention. De rien. Je vais être franc avec vous, je déteste cette classe. Pas vous? C'est un lieu très vivant, très convivial également. Bon, la pire classe de France, le cours peut commencer. Avec vous, c'est toujours le bazar. Alors maintenant qu'on se connaît un peu mieux, est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez me respecter? Ta gueule! Ferme ta gueule! Qu'est-ce que tu connais? Ferme ta gueule! T'es vraiment fils de pute, façon enculé là! Est-ce que tout le monde a bien fait ses devoirs? Bah bien évidemment! Vous vous foutez encore de ma gueule? Bah bien évidemment! Très mature! À cause de Maël, tout le monde sort une feuille, interrogatoire surprise. Le rapport! Le rapport! Le rapport! Quel est le rapport? Le rapport, c'est que c'est moi votre professeur et je fais ce que je veux. Quelqu'un a quelque chose à dire? Je vais t'enculer, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Pardon, Caris, arrêtez! Non mais Caris, c'est pas possible, vous êtes pas net! Mais si, je suis très net. C'est pas à vous que je parlais, Baptiste. Et rangez-moi ce bol, vous allez faire cramer le lycée. Vous avez beau me faire la misère tous, moi je suis votre professeur. Peu importe ce que vous dites, je ne bougerai pas. Ouvre ta gueule. Bon, les jeunes, le cours peut commencer. En plus, Théo Babac est pas là aujourd'hui. Tant mieux, il me rend fou avec ses blagues. Désolé pour le retard. Justement, on parlait de vous. Et pourquoi vous êtes agité comme ça? Mec, il y a une bombe dans le bâtiment, on est bloqué, elle va forcément exploser, mais on sait pas quand. Quoi? Faire. Très mature. Maintenant, asseyez-vous. Asseyez-vous. Assis. Et la prochaine fois que vous êtes en retard, vous pourriez dire je suis désolé. C'est un drôle de prénom. Moi, je m'appelle Théo. Encore une blague et je vous colle, Théo. Ça se prononce Bruno? Quoi? Faire. T'énerve pas, t'es qu'un professeur, c'est un élève, t'as pas le droit de le défoncer. Vous savez quoi? Sortez un cahier. Vous allez me noter 1500 fois. Je ne ferai plus jamais de blagues au professeur Romain Franklin. Apparemment, on a une nouvelle élève. Je vous laisse vous présenter. Yako Efa. Si vous la connaissez, c'est que vous êtes des petits pervers. Je suis un quoi? Tu es un pervers, Harry. Pardon, c'est moi, excusez-moi. Qui m'appelle à cette heure-ci, là? Allô? Pardon, c'était un copain. Oui, désolé, dans la vie, les profs aussi savent s'amuser. On ne songe pas forcément à s'amuser quand l'équilibre de l'univers est entre nos mains. Non, Thanos, vous n'allez pas encore claquer les doigts. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne passerez pas. Non, Thanos. Bon, les jeunes, le cours peut commencer. Mais avant ça, Ahmed Silla, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? À chaque cours, vous mettez le bazar. Le siège est pas mal. Très mature. C'est ça, faites le malin. Vous savez où vous allez finir si vous travaillez pas à l'école? Dans un bar. Double très mature. Si vous parlez encore une fois, je vous colle. Et moi, personnellement, je vous trouve pas drôle. Un artiste incompris. Ça va durer longtemps, vos bêtises? Une passade d'hiver. Arrêtez de chanter, ça me met mal à l'aise. Le ciel m'embarque sous ces nuées de plomb. Arrêtez de chanter, ou je quitte cette salle et je vais voir la directrice. Je te suivrai. Quoi? Je me casse. Bon, la pire classe de streamer, le cours peut commencer. Dans cette classe, c'est toujours le bazar. Alors aujourd'hui, vous avez intérêt à me respecter. TK, vous pouvez écouter quand je vous parle. T'es vraiment fils de pute, va te faire enculer la putain de ta mère, va. TK, n'insultez pas ma maman. Oh le bâtard. Et arrêtez de vous marrer les autres. Je sens que ça va être terrible.
Je suis d'accord avec vous, Magla, ça va être long. Maintenant, s'il vous plaît, travaillez. Anas, je vois que vous levez la main. Vous avez une question à propos du cours ? Ferme ta gueule. Très mature. Oh voilà, c'est une hagra. C'est une hagra de ouf. Lokhir, arrêtez de rigoler. Et Amaru, Qu'est-ce qu'elle y a? Il y a que si vous continuez, je vous colle tous les uns aux autres façon Human Centipede. Maintenant, je fais l'appel et vous répondez juste présent. Ah, mon élève préféré, Pokémon. Comment vous allez? Ça va bien. Et vous? Bah écoutez, ça va. Merci beaucoup. Voilà, je suis très content de vous voir. Hein. En plus, alors, je vous le dis comme ça. Je me suis remis un petit peu à la salle de sport et tout. Et je me disais que peut-être... Concentre-toi! Jeunes, le cours peut commencer. Comme vous avez dû remarquer, Inox Tag est de retour dans la classe après 3 mois d'exclusion. Inox Tag, un mot à dire à vos camarades? Vous m'avez manqué, les PG, je suis de retour! Oh oui, Et cette fois, attention Inox, à la moindre erreur, j'appelle les surveillants et ils vous renvoient de suite. Nique sa mère, venez on les encule. Non, vous ne sodomiserez personne. Bon, la dernière fois on étudiait Roméo et Juliette. Si vous vous souvenez bien, quels sont les premiers mots que Roméo a dit à Juliette? Oui Inox, on vous écoute. Faut qu'au lit tu m'apprennes la leçon. Très mature. Bon, et bah Inox, je vous l'avais dit, vous êtes viré. On l'encule, il va vite partir, s'il vous plaît. N'essayez pas de retourner vos camarades contre moi. Les gars, on est protégés par Luffy. On est protégés par Luffy. Bien sûr, comme si j'allais vous croire. Voilà, les gars, voilà. Voilà. Voilà, mes sphères, cette vidéo est terminée. J'ai rigolé 2 fois, donc ça fera 2 défis à faire pour la prochaine vidéo. Un petit croc. Donc faites-vous plaisir et proposez-moi les défis dans les commentaires, tout simplement. Et si vous voulez un autre épisode de Romain Franklin, mettez tout simplement un j'aime à la vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao mes petites sphères.